Allô, monsieur Diallo? Allô? Allô, allô, Didier? Oui? C'est Zizou, pardon, mais j'avais demandé le bureau du président. Oui, c'est ici, mais c'est moi qui prends les appels, hein. C'est plus simple, ça fait gagner du temps. Ah bon, d'accord. Ça va, toi, tu prépares bien l'euro hein, pour finir en Ah beauté? ben oui, c'est important l'euro. C'est ça qui va nous donner l'impulsion pour faire une bonne Coupe du Monde aux USA. Ah, parce que tu vas rester jusqu'à la Coupe du Monde? Ah ben oui, je vais pas directement faire l'euro 2028. 4 ans sans compétition, c'est pas bon. 2028? Ben oui, pour mes 60 ans, mais attention, je veux pas faire comme ce vieux Crouton qui s'accroche comme Jean-Louis Gasset, hein. Moi, 70 ans, je raccroche après la Coupe du Monde de 238 au Qatar, vu que maintenant ils vont alterner Coupe du Monde au Qatar et en Arabie Saoudite. 2038? Ah oui, pas plus, faut pas exagérer, j'aurais fait mon temps, il faut savoir partir. Et toi, les vacances, ça se passe bien? Mais c'est long. Ah, oh, plains-toi, va chanceux. Pourquoi tu fais pas consultant? Ça t'occuperait bien, ça, consultant. Va retrouver du gars sur RMC. C'est bien, ça, du gars avec Jérôme tous les jours. Hein. Pia, 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 et l'autre, il est nul et moi, je ferais mieux. C'est un bon métier, ça, c'est constructif. Ah, je sais pas trop. Mais si, ça t'ira bien. Ça t'occupera. Et tu verras, Jérôme, en vrai, il est très sympa. Il se prenait pour Beckham, il a pas été foutu de me faire gagner la finale de la Ligue des Champions contre les Portugais, mais il est sympa. Elle est chouette, son émission. Puis il y a le comique, là, le rigolo. Qui, Olmeta? Oui, c'est ça, Olmeta. Allez, je te laisse. Pardon? Non, je pensais tout haut. Y'a pas de problème.